Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit, mais vraiment petit haul Maki Beauty et Boozy Shop. Donc je m'excuse pour ma tête, mais je suis malade, je suis pas en forme, je suis épuisée, j'ai dormi 4 heures, donc voilà, ceci explique la tête de Guenu. Ça me fait une ombre bizarre ici de filmer là. Je suis dans ma salle à manger, hein. Bref, donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir que c'est pas énorme. Bien sûr, si vous suivez mes vlogs et que vous avez vu ma nouvelle lubie, c'est des commandes que j'aurais absolument pas passées, n'est-ce pas? Mais voilà, elles étaient déjà commandées. Donc je vais juste vous montrer une pièce que j'ai eue d'AliExpress. Un ensemble, un pyjama, enfin, que moi je l'utiliserai pour traîner dans la maison. Super nana! Donc c'est un ensemble avec un crop top, hein, c'est un t-shirt court. Il m'arrive en dessous du nombril, je pense, ou juste au-dessus du nombril. Donc forcément, on va voir mon flambi, mon ventre flambi, mais voilà, pour traîner à la maison et pour dormir en été, ça sera top. Alors la matière du t-shirt est super agréable, mais comme le pull que j'ai acheté, que je vous ai montré en vlog, flocage de très basse qualité, hein, voilà, mais bon, ça tiendra le temps que ça tiendra. Je le trouve très joli. Et il y a donc le short version un peu sport comme ça qui va avec. J'adore ces petits shorts là. Et vous avez aussi, c'est le même flocage, mais voilà, pensez bien à les laver en arrière, j'allais dire à l'envers si vous les achetez. Alors, on va commencer par Maki Beauty parce que j'ai vraiment pas grand chose. Je me suis d'abord recommandé deux backups de mon fond de teint poudre de chez Révolution. Voilà, c'est celui que je préfère. Je l'ai pris en teinte P7, je crois, cette fois-ci. Je cherche la teinte. Ouais, c'est ça. Il me semble que celle que j'ai, c'est la P6. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pris la P7, mais comme c'est la teinte de mon fond de teint chez eux, ça changera pas grand chose au final. J'ai pris, alors pour poudrer mon arcade sourcilière, j'utilise toujours un fard mono, que ça devient assez dur à trouver, faut dire ce qui est. Alors, les fards mono, c'est plus très à la mode. Prendre un fard d'une palette, c'est chiant. Donc j'ai pris une poudre compacte, toujours de chez Révolution, et là je crois qu'il y en a pour un moment. J'ai pris la plus claire que j'ai trouvée, donc c'est la Matte Base Powder en P1, et je pense que pour ce que je veux en faire, ça conviendra très bien. Alors attendez, je crois qu'elle est scellée, évidemment. J'ai juste vérifié que ce soit une sans silice pour pas faire un effet flashback, mais la teinte. Oh, elle est super douce. Ah, oh, ouais, ça ira très bien pour faire ça. Magnifique. Et là, je peux vous dire que j'en ai pour un bon, bon, bon moment avant de terminer celui-là. Déjà, un fard à paupières mono, ça prend beaucoup de temps avant de le finir. Et je me suis donc pris deux rouges à lèvres Jeffree Star. Jeffree Star qui me faisait très envie depuis très longtemps, enfin le orange me faisait très envie, c'est le Tangerine Queen je crois de mémoire. Attendez, 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 attendez. Où c'est que c'est noté? Ouais, Tangerine Queen. Check well before use. Qu'est-ce que vous savez, mes rouges à lèvres, on va les utiliser, mais on va le secouer si tu veux. Donc c'est un orangé, j'ai pas de ces teintes-là et j'en voulais absolument un. Et en plus, il n'y a qu'une dessus. Donc voilà. Et oh, je crois que pour la saison, il va être vraiment canon. Et Jeffree Star et les Melted, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de l'utiliser. Je pense que je vais me baser sur mon prochain make-up que je vais faire. Je pense que je vais me baser sur cette couleur-là pour faire mon make-up. Ou faire un liner avec. J'ai un poil sur le nez. Et du coup, j'ai pris le Cavity, puisque j'ai terminé mon NYX Line and Loud en fuchsia. Et le NYX Lingerie XXL ne tient pas sur moi, donc je ne l'aime pas du tout. Donc, je m'en suis pris un de Jeffree Star. Et voilà. Donc, c'est le Cavity. Et c'est du fuchsia, quoi. Voilà. On ne fait pas plus fuchsia que celui-là. Mais j'aime bien en été, je trouve ça aussi super beau. Donc voilà pour Maki Beauty. On va passer à Boozy Shop. Alors, Boozy Shop, je me suis planté dans un truc, donc ça ira pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une grosse promo, il y avait 25% sur presque tout Révolution.
Donc, je voulais commander, c'est la nouvelle gamme avec Sally, c'est une collab avec Sally Hughes. Il y a les petits pads comme ça. Donc, c'est trois pads démaquillants, c'est des petits gants, mais molletonnés. Et il y avait des espèces de petites lingettes. Et je voulais les lingettes. Et c'est ceux-là que j'ai commandé. Je sais pas pourquoi. J'ai même été vérifié, hein, mais voilà à quoi ça ressemble. Ils sont quand même assez gros. Mais ça, j'en ai plein. Et moi, je préfère les petites lingettes démaquillantes de chez Essence. Donc, bah, du coup, ça ira dans le concours de cet été pour vous. Alors, en cadeau, du coup, j'ai pris le lip mask pour vous, que j'ai déjà aussi, hein, puisque je vous ai pris le lip scrub la dernière fois. Donc, comme ça, dans le lot du concours aussi. Et vous aurez le duo. Alors, toujours dans un souci de backup, j'ai repris deux bases. Voilà, en teinte light, hein, c'est ma base préférée. J'en ai plus que 3 ou 4 en stock, donc vous voyez, ma mi backup à stresser. Mais bon, comme il y avait 25% dessus, j'en ai profité pour en reprendre deux. Toujours backup, j'ai repris deux Green Envy, donc c'est les colos verts pour mes cheveux, voilà. Parce que j'aime énormément ces produits-là. C'est grâce à Yumi que je les ai découverts et c'est ceux que je préfère. Voilà, il y a plus de teintes chez Crazy Color que j'aime beaucoup aussi. Mais le soin est moins bon, bien qu'il soit un peu moins cher, il me semble. Et les Manic Panic sont très bien pour colorer comme ça, mais ça fait pas un super soin non plus. Donc ceux-là, pour vraiment refaire un soin par-dessus, ils sont, c'est topissime, quoi. Je les adore, les cheveux sont hyper doux et la couleur est très jolie. Alors, bah en fait, j'ai pris que du Révolution. Voilà. J'ai eu en cadeau, et ça je suis bien contente, je vais pouvoir l'utiliser très vite, c'est une crème hydratante pour peau normale à sèche, Protecting Boost avec un SPF 20, 25, 15 à l'intérieur. Donc c'est un full size, hein, c'est génial comme cadeau, quoi. Voilà, 50 ml. Elle se présente comme ceci. Voilà, j'étais bien contente de l'avoir en cadeau parce que ben, les crèmes hydratantes, on n'en a jamais assez. Et en plus, avec un SPF, maintenant qu'il commence à avoir du soleil, c'est clairement la prochaine que je vais utiliser. Elle sent un peu comme la Nivea. Voilà, et la texture n'a pas l'air désagréable. Donc, ben, écoutez, c'est en poudre, mais on fera avec. Hein, c'est gratuit de toute façon et ça sera utile. Vous allez voir que j'ai pas abusé, hein, franchement. J'en ai sur la main. J'ai pris pour tester le baume démaquillant, donc c'est toujours avec Sally Hughes, Butter Clean Makeup Meltdown Cleansing Balm. Baume démaquillant fondant Butter Clean. 80 grammes. Il y a un bruit chelou. Ben voilà, c'est tout simplement un baume démaquillant. J'adore celui de chez Beauty Bay. Mais on va tester celui-ci aussi. Les packagings sont très jolis, je trouve. Ils sont très classe. L'odeur est particulière. Mais il a l'air assez sympa. Donc j'utiliserai quand j'aurai terminé celui que j'ai entamé de chez Beauty Bay. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais au moins j'en ai un pour tester. J'ai pris les pâtes Super Nana pour le dessous des yeux. Voilà, tout simplement. Il me faisait de l'œil. C'est Super Nana de chez XX. Donc, j'ai pris. Attendez, parce qu'il y a un truc collant. J'ai le nez qui goûte. Hein. Je suis désolée, mais ça goûte tout seul. Hein. Ah, il y a un deuxième collant. J'ai le nez, il fait le robinet depuis 3 jours. D'ailleurs, j'ai le nez tout rouge. On dirait que j'ai picolé, mais j'ai pas picolé, je vous jure. Ah, vous avez, ah, c'est pratique ça. C'est une petite pince pour les attraper, mais ça c'est génial. Les autres, ils mettent une petite cuillère, mais ça fonctionne absolument pas. Ah, ça c'est bien pensé. Alors attendez, j'arrive pas à enlever l'opercule. Ça sent bon. Donc voilà, je penche pas trop parce qu'il y a le produit à l'intérieur. On va voir si la pinçouille elle marche bien. Ça marche. Elle marche pas, mais. Compris. Bon, de toute façon, je vais les tester tout à l'heure. Oh, bah, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a 60 pièces à l'intérieur, donc ça fait 30, 30 applications. Et bah écoutez, je vais tester ça tout à l'heure.
J'ai encore les révolutions classiques que m'a offert Manon, mais je vais copier ceux-là en premier. Je vais les mettre au frigo et ça me fera pas de mal vu que j'ai pas beaucoup dormi. Toujours en vitamine, j'ai pris pour tester les gummies. Donc c'est au collagène, starfruit, papaya, cherry flavor, 60 chewable gummies, sans gluten et sans sucre. Collagène, zinc, vitamine A et C. Donc c'est principalement pour l'élasticité de la peau, ce dont j'ai bien besoin, mais le collagène c'est également bon pour les cheveux, les ongles, la peau, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Donc j'essaie de l'ouvrir. Il veut pas. C'est les trucs push down and turn. C'est les trucs que j'arrive jamais à ouvrir. Attends. Le bruit que ça fait. Alors il y a deux couleurs, tiens, à l'intérieur. Cerise, ça sent pas vraiment la cerise. Est-ce qu'ils disent combien? Attendez, combien est-ce qu'il faut en prendre? Je crois que c'est deux gummies. Hein. Faut que je lise. Là, j'arrive pas à lire, mais je vais écouter. Il y en a deux sortes. Bon, écoutez, je vais vous les sortir. Il y a deux couleurs que je vais. Oh, il y a trois couleurs. Donc, je crois. On dirait qu'il y a des plus. Non, c'est deux. Voilà. Donc, je vais goûter une orange. Ça, je vous conseille de laisser dedans pour éviter l'humidité intérieure. Je vais me préparer une cerise parce que là ça n'a pas goût de cerise. Hein. Mais bon, voilà, j'ai fini celle pour les cheveux de chez Côte-Batte, donc mes rouges sont à la cerise. Les autres, je pense pas, je pense que c'est plus tropical hein, ou à papaye carrément. J'aime moins, mais bon, je vais les utiliser. Et dernier truc, alors totalement inutile, mais que j'avais craqué dessus quand même. Toujours dans l'esprit super nana. Oh oui, en ce moment avec les filles, on a la traque, hein. Donc vous avez la petite trousse que moi personnellement je n'utilise pas les trousses. Donc je vais vous la mettre pour vous. Ça restera dans le thème de la chaîne. Et dedans, il y a trois pinceaux. Voilà. Dont un que je ne pense pas me servir beaucoup. Mais vous avez un pinceau par super nana. C'est dommage qu'elles ne sont pas dessinées dessus. Mais voilà, ouais, c'est juste par principe pour les filles et moi, quoi. Donc vous avez un grand biseauté. Alors il est bien si vous faites des make-up graphiques. Un plat mais un peu fluffy et un estompeur qui a l'air très doux et pas mal. Et le chien en perd à l'île. Donc voilà, truc totalement inutile, on est d'accord. Mais j'avais très envie de me les prendre. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pas commandé si j'avais su que ma lubie allait aller si vite. Mais bon, voilà, c'est commandé, donc voilà, les rouges à lèvres vont sécher pendant ce temps-là, et ils sont vraiment très beaux. J'ai vraiment hâte de les tester. J'ai vraiment hâte de tout tester, en vrai. Voilà. Donc, je ne ferai pas de crash test, puisqu'il n'y a pas de produit make-up, à part le produit en make-up. Tout ce que j'ai, c'est la poudre pour le dessous des sourcils, les deux bases pour le backup, les deux fonds de teint pour le backup, et les deux rouges à lèvres. Hein. Donc, voilà. Vous voyez que c'est principalement du soin, vitamines, tout ça. Bref, et ben voilà qui conclut ce haul. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'habitude, j'ai pas cette tête là et j'ai plus la pêche, hein, mais là vous m'excusez. C'est une semaine qui n'est pas ma semaine. Donc on fait comme on peut. Je me suis dit, allez, maintenant tu filmes ton haul, comme ça après tu peux ranger ton petit bordel et ça te fera du bien de parler à tes abonnés. Tout simplement. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bah donc, en attendant, je vous dis bisous, bisous.